Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouveau vidéo test et on vous parle siège gamer, fauteuil pour joueur, comme vous voulez, avec le Nitro Concept X1000. Un nouveau fauteuil qui sera proposé à un tarif de 269 € qui sera disponible en noir noir, noir rouge, noir bleu, noir blanc, qui exploite une mousse formée à froid. Le tout est recouvert de tissu type microfibre, avec finition noire sur le centre, les couleurs sur le côté. On a aussi un petit peu de simili cuir imitation carbone, quelques jolies broderies. Le tout repose sur un vérin en classe 4, une base étoilée en nylon renforcée avec de l'acier, des roulettes de 60 mm, on a une assise qui bascule à 14 degrés, on a un dossier qui s'incline de 90 à 125 degrés, et on trouve deux coussins dans le bundle, un pour la nuque, un pour les lombaires. On vous propose de le découvrir, c'est-à-dire tout ce que vous allez avoir dans le carton. Ensuite, on va passer au montage pour vous montrer que c'est extrêmement simple et extrêmement rapide. Et ensuite, on vous donnera notre avis sur ce siège. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On vous parle maintenant de ce X1000 dans les moindres détails. Commençons par le dossier. On va d'abord retrouver le logo de la marque qui est brodé dans la partie haute. Ensuite, on va avoir un textile noir. Sur les côtés, au niveau des coussins baquets, on va avoir du blanc qui va remonter avec une finition carbone et encore une petite touche de blanc. Et bien sûr, on a des surpiqûres grises sur l'ensemble du siège. On note ici la broderie X1000 qui est absolument magnifique et qui vient donner vraiment du style au siège. Les ajustements sont très bons, les coutures sont bien faites. Vous le voyez, le siège propose vraiment une finition qui est très bonne. Ensuite, au niveau du dossier, il est relativement plat, relativement ferme, comme toujours chez cette marque. Sur les côtés, on a vraiment un design baquet, mais comme c'est relativement large, on ne va pas forcément se sentir engoncé à l'intérieur du siège. Si on passe sur la tranche, on va retrouver les surpiqûres grises, et si l'on tourne le siège à l'arrière, on retrouve de nouveau le logo Nitro Concept, on retrouve le carbone et la partie blanche. Sachez que dans la partie basse du siège, on a également le logo Nitro qui est brodé. On passe maintenant à l'assise. Alors, comme pour le dossier, on a une assise qui est relativement plate, relativement ferme. Nos fesses nous disent du 35 kg par mètre cube, même si ce n'est pas précisé par la marque. Sachez par contre que toutes les mousses sont formées à froid. Normalement, ça tient beaucoup mieux dans le temps. Au niveau de l'assise, on retrouve le textile noir avec la forme spécifique. On va avoir également les côtés en blanc, pas trop marqués. Donc, si comme moi, vous êtes un petit peu large du bas, ça posera pas de problème quand vous allez vous asseoir. Vous n'allez pas sentir les coussins sur les côtés. On retrouve également le carbone et les surpiqûres grises. Vous le voyez, l'ajustement est impeccable. On a des coutures qui sont bien faites. Au niveau des accoudoirs, on va avoir du simili carbone ici. Donc en fait, c'est tout simplement le plastique qui reprend la forme du carbone. On trouve ça vraiment très joli puisque ça vient bien se marier avec le reste du siège. On a le logo Nitro Concept qui est gravé à l'intérieur de cette partie en carbone. Ensuite, pour l'accoudoir, vous le voyez, il n'y a pas de jeu. Bon accoudoir, réglage en 3D, ça monte, ça descend. Vous pouvez l'avancer, le reculer et vous pouvez également le tourner sur les côtés. On passe maintenant à la partie basse. On a un vérin en classe 4, donc qui supporte jusqu'à 135 kg, je crois. Ici, vous avez la manette de tilt. Le tilt se fait à 14 degrés maximum pour l'assise. Ici, vous avez la molette qui va permettre de faire basculer le siège. On appuie, ça bascule comme ceci. On vous a donné toutes les tech specs en introduction à propos du siège. La base, elle est en nylon. On a une bague de renfort dans la partie centrale ici en acier pour éviter que ça écarte le nylon au fur et à mesure. On a ici une petite finition avec un plastique un petit peu plus brillant. Enfin, sur les roulettes, on est sur du 60 mm. Maintenant que vous avez découvert tous les détails du siège, que vous avez vu le montage qu'il vous faut juste 5 minutes pour monter ce siège, on vous redonne le tarif de 269 €. Que dire sur ce siège? Première chose, on adore le design, surtout dans cette version blanche, ça se mélange très bien, le noir, le blanc, le simili carbone. Ensuite, on a une assise qui est raide, comme toujours chez la marque, un dossier qui est raide, mais de la mousse raide, souvent c'est de la mousse qui va durer bien plus longtemps dans le temps. On est sur une mousse qui est formée à froid, ça aussi c'est un autre gage de qualité.
Au niveau du confort, alors l'assise pas trop rembourrée sur les côtés, c'est-à-dire que même quand on est un petit peu large du bas, eh ben, ça posera pas de problème. Et là aussi sur les côtés, on a bien sûr un siège qui est typé baquet avec des côtés qui remontent, mais vous voyez, on peut bouger assez facilement dedans. Donc même quand on est comme moi un bon gabarit, on sera plutôt à l'aise et pas engoncé. Après, si on aime les sièges où on est un petit peu engoncé, vraiment type rallye baquet, alors vous avez des modèles autre à choisir que celui-là. Les finitions sont hyper avenantes, c'est bien fait, les coutures sont impeccables, on a un petit fil gris qui vient rajouter encore une autre petite couleur et un petit peu plus de côté haut de gamme à la finition, on a même des broderies dans la partie haute ici sur le côté, cette broderie elle est juste hyper sympa. Que dire autrement, on a des très bons accoudoirs, on a des accoudoirs 3D qui n'ont pas de jeu, qui montent, qui avance, qui tourne sur les côtés, c'est tout ce qu'on demande. Au niveau de la glisse, c'est parfait, les petites roulettes de 60 mm, elles font le travail. Certes, on a une base étoilée en nylon, ce qui n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais comme on a cette bague en acier à l'intérieur de la base en nylon, on peut espérer que dans le temps, ça tienne beaucoup plus longtemps qu'une simple base nylon sans renfort. Ensuite, on a un vérin classe 4, donc clairement, ça va tenir dans le temps. Au niveau de l'assise, on vous montre, là, on est au maximum en hauteur, hop, là, on est au minimum. Au minimum, on a bien les pieds à plat par terre. Au maximum, quand on remonte, on est bien positionné. Donc, quand on fait 1m80 comme moi, on est clairement sur une très bonne taille de siège, assez agréable, assez grand derrière. Vous voyez aussi, quand on met la tête, on est sur la partie haute du siège. Donc, c'est plutôt un siège clairement réservé au grand gabarit et au gabarit un petit peu large, un petit peu comme moi. Vous voyez, ça passe sans problème à l'intérieur. Que vous dire de plus ? 269 €, on vous a déjà dit le tarif, ça existe en plein de couleurs différentes, hein. Bien sûr on a noir noir, noir rouge, noir bleu, noir blanc, probablement aussi un noir gris, mais normalement on vous a donné tous les détails en début de vidéo. Alors, à ce prix, 269 €, alors certes on est sur un siège tissu, on n'est pas sur du simili-cuir, on n'est pas sur du cuir non plus, hein. Le cuir on va multiplier le tarif par 3, en simili-cuir clairement on va souvent multiplier presque par 2 le tarif, là on est sur du tissu microfibre, alors le microfibre l'avantage c'est que ça se nettoie facilement, et puis c'est hyper durable dans le temps, on a déjà testé un autre siège de la marque, hein, le E250, qui utilise aussi ce tissu microfibre, il est resté assez longtemps à la ferme, et il avait pris la poussière, on avait posé des objets dessus, et un petit coup de microfibre par-dessus légèrement humide et hop, il y a tout qui disparaît du siège et ça redevient presque tout neuf. Donc pour résumer, montage hyper facile, vous l'avez vu en vidéo, 5 minutes, ça se guide hyper bien, les vis rentrent toutes seules dans les trous de fixation, c'est hyper agréable à faire. Ensuite, les finitions hyper bonnes, le confort raide, on va pas vous dire le contraire. C'est raide, mais ça reste efficace. Si on aime les sièges un peu raides, on sera très très bien dans ce Nitro Concept. On est sur des assises qui sont de type assez plates, par contre, c'est-à-dire que le dossier est bien droit et l'assise est bien droite. Si vous voulez un petit peu plus de gonflement, ben, on mettra le petit coussin derrière. Si vous voulez votre tête qui repose sur quelque chose, ben c'est pareil, vous mettrez le coussin nuque. Nous, on n'est pas très adepte des coussins, hein. Ça sert pas toujours. Il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui aiment moins. Et que vous dire de plus, on a des bons accoudoirs, pas de jeu, une base qui devrait tenir dans le temps, des roulettes de 60 qui font le travail. Voilà, un cocotte d'or, tout simplement. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocotteland.com pour toutes nos news, tous nos articles. Aussi sur notre chaîne Cocotte TV pour toutes nos vidéos. Pensez à activer la cloche, nous mettre des pouces, laisser des commentaires. Et on le redit, cocotte d'or pour ce Nitro Concept X1000. Proposer un tarif de 269 €. Sur ce, on vous dit à très bientôt.